Donc le jardin, après la flotte, surtout un petit. La flotte, je sais pas, il est tombé, je sais pas combien de centimètres d'eau, c'était absolument effrayant. Voilà. J'ai mis la fontaine ici, mais j'ai un problème. Ça marche pas bien. Je pense que c'était pas un très bon achat. Voilà. Donc j'ai planté les graines de rose trémière juste derrière. Donc je vais surveiller, je vais voir si c'est. Si ça pousse ou pas. La température est absolument monstrueuse. L'humidité surtout. Chaleur, humidité, bleu. L'impression de rentrer dans une serre. Alors j'ai essayé un truc que j'ai vu sur Facebook. Ça, ce sont, nous on appelle ça scallion, ce sont, ils appellent ça des oignons verts. Je crois qu'en français ça s'appelle scallion. Ça a le même goût que les. Ça ressemble à des oignons, mais ça a le même goût que les. Que la ciboulette. Voilà, il paraît que ça fleurit orange. Ça fleurit lavande, couleur lavande. Il paraît que les papillons adorent ça, donc ma foi. J'ai essayé de les planter, on verra bien. Si ça marche pas, je les déplante et puis c'est tout. Voilà. Donc j'ai quand même l'impression que les choses se sont bien développées. J'ai l'impression. Voilà. Et l'impression générale. Ah, je vais vous montrer mon petit rosier. Ça y est, il fait des fleurs jaunes. Voilà. Il faut que je monte aussi là, la passiflore. Voilà. Donc là, ça c'est un truc qui est fini, mais j'ai un bouton ici, j'ai deux boutons ici, j'ai un bouton ici, j'ai un bouton ici. Voilà, ça c'est un morceau ça qui se plaît bien, et ça démarre. Hein. Bon, j'ai un peu d'herbe. Il faut que je fasse quelque chose pour l'herbe. Clairement. Et ça, voilà, voilà la passiflore. C'est quand même une croissance assez extraordinaire. Donc j'ai viré les bûchers que j'avais mis là, qui ont grillé complètement. Je les ai mis à l'ombre, j'espère que je vais les récupérer. Là, celui-là qui a poussé depuis que dernière vidéo que j'ai faite. Ça a beaucoup poussé aussi. Même que j'ai vu en 48 heures, il y a plein de ces fleurs rouges qui sont apparues. Et ça qui a beaucoup poussé aussi, qui est donc un spirée blanche. Évidemment, le printemps prochain, ça a beaucoup poussé aussi. Le printemps prochain, ce sera très excitant. Voilà. Et là, le petit coin mauve. J'ai mis la petite barrière pour éviter que. D'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas venu tondre? J'en sais rien. Je me demande. Pour éviter que Martinez ne tonde les fleurs. On ne sait jamais avec lui. Il aime les fleurs, mais bon. Sa machine est tellement énorme. Voilà. Et bon, voilà. Ça suffit pour aujourd'hui.